Et salut à tous, donc on se retrouve sur Fortnite. Donc comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer où trouver les 6 cassettes secrètes donc qui devraient débloquer de nouvelles variantes pour le skin scientifique. Donc les cassettes ont été trouvées par un modder, donc on pense que ça serait pour débloquer de nouvelles variantes pour le scientifique. Donc comme on avait eu pour Singularité, donc qui est juste ici. Donc là comme on peut le voir au début, si vous vous souvenez, on avait du coup Singularité mais sans du coup son casque. Ensuite on a débloqué les casques avec les différentes variantes, donc avec les couleurs. Donc là sûrement que du coup ça débloquera de nouvelles variantes pour le scientifique. Donc là par exemple on a les visages, mais on pourrait débloquer par exemple le corps, donc peut-être un peu plus fin vu que le skin est assez imposant, ou alors peut-être de nouvelles couleurs pour le skin. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est pas sûr à 100%. En général c'est vrai qu'on a eu des variantes pour les skins secrets du coup comme du coup Singularité. Mais du coup garde en tête que c'est pas sûr. Si ça se trouve ça sera un défi, donc trouver les 6 cassettes à chaque endroit ou 3 cassettes. Et peut-être que ça débloquera autre chose, par exemple une musique. Donc voilà, du coup dans un premier temps je vais vous montrer du coup où sont les emplacements moi directement en game, comme ça les joueurs qui ne sont pas réellement habitués à jouer depuis toutes ces saisons, qui ne reconnaissent pas tout de suite les villes, ce sera peut-être plus simple pour vous du coup. Donc ensuite je vous mettrai la vidéo, donc la preuve en gros que les cassettes ont bien été trouvées là-bas, que je vous dis pas de la merde, voilà. Donc comme ça vous verrez bien que les cassettes se trouvent bien là-bas et du coup vous pourrez aller les chercher quand du coup ça sera débloqué, parce que je le répète, c'est pas encore débloqué, ça a été trouvé uniquement par un modder. Donc il y en a, ce que j'ai vu, qui les ont trouvés aussi en créatif. Voilà, du coup on verra bien dans quelques semaines, dans quelques jours, quand on pourra aller les chercher du coup. Donc voilà, il y a 6 cassettes, on se retrouve en game, je vais vous montrer du coup où les trouver. Et donc voilà, on se retrouve en game. Donc la première cassette devrait se trouver à Mossy Palm. La cassette devrait se trouver juste ici du coup, donc sur le mur le mur blanc du coup. Donc je vais vous mettre la vidéo, mais avant je vais vous montrer du coup l'emplacement sur la carte. Donc c'est juste ici ce bâtiment là, et la cassette devrait se trouver juste ici. Donc je vous mets la vidéo. Et donc voilà, donc pour la deuxième cassette, rendez-vous du coup à l'île flottante. Donc n'oubliez pas, je le précise parce que j'ai vu du coup dans mes commentaires, l'île flottante bouge à chaque fois. Donc vous aurez pas forcément l'île ici. Elle peut se retrouver là-bas, là-bas, là-bas. Bref, elle peut être partout. Donc n'oubliez pas qu'elle change de place. Vous avez juste du coup à regarder sur la carte. Donc c'est cette forme-là. Et vous la trouverez. Donc la cassette se trouvera tout simplement donc à l'arrière sur le coffre, juste ici, posée. Vous aurez juste à la récupérer. Donc je vous montre sur la carte. Donc c'est juste ici. Donc voilà. Juste ce bâtiment-là. Donc pour vous repérer, il y a la petite piscine juste ici. Voilà, vous passez la piscine et là, juste en face, il y a le bâtiment, les deux voitures à côté et la cassette devrait se trouver ici. Donc je vous mets la vidéo. Et donc voilà, donc pour la quatrième cassette, il vous faudra vous rendre du coup dans la nouvelle ville. Donc je vous avoue, j'ai pas encore visité la ville, je sais pas ce qu'elle fait, viser les étoiles. Donc normalement elle se trouvera juste ici. Donc pour vous repérer cette fois, il faudra tout simplement aller dans la maison rouge, donc la maison avec le côté en château là. Normalement vous cassez le petit toit, donc normalement on casse ce toit-ci. Hop, donc on va casser, voilà, normalement on recasse juste ici. Donc hop. Et normalement, voilà, la cassette sera juste posée sur le lit, donc juste ici, comme ça. Donc vous mettrez devant et vous la récupérez. Donc voilà, comme tout à l'heure, je vous montre sur la carte. Donc ça sera juste dans ce bâtiment-là, donc à Starry, Surbus, machin truc là. Donc vous allez dans la maison château, donc la maison rouge. Et la cassette se trouvera juste sur le lit, du coup. Notez bien que c'est dans cette ville que, du coup, vous cassez le bâtiment une fois, donc le toit. Et ensuite, vous cassez juste ici, donc le deuxième plafond, donc deux plafonds. Et ensuite, la cassette se trouvera ici. Donc je vous mets, comme tout à l'heure, la vidéo. Donc voilà, on se retrouve à Retail Row, donc pour la quatrième cassette. Donc la cassette se trouvera juste ici, donc il faut casser une fois. Donc il faut normalement casser bah, n'importe où, mais juste ici. Et normalement la cassette se trouvera juste ici. Donc la cassette se trouvera juste ici, donc dans le magasin. Donc je vous montrerai après comment vous repérer. Vous cassez en dessous et normalement vous avez la cassette. Donc voilà, donc je suis sorti du magasin pour vous montrer. Donc pour vous repérer, c'est très simple. Il faudra aller à côté du château d'eau. Donc c'est pas ce petit bâtiment qui est le bar, donc le joaillier. C'est du coup le grand bâtiment, donc celui-ci avec du coup les livres derrière. Donc je sais pas ce qu'il y a marqué. Donc Mac Guffins. Donc vous rentrez, vous montez en haut et du coup vous avez la cassette. Ou alors vous faites comme moi, vous venez depuis le toit, ce qui sera un petit peu moins chiant vu qu'on a du coup les zombies. Donc je vous mets la vidéo.
Ensuite, pour la cinquième cassette, vous devrez vous rendre à Gotham. Donc là, pour le coup, je pense que tout le monde connaît. Mais du coup, je vous montre quand même où est la cassette, même si la ville est connue. Donc je vous montre où est l'emplacement. Donc la cassette sera posée juste devant le cinéma, donc qui est juste ici. Donc la cassette se trouvera juste là, donc juste au sol. Donc vous atterrissez, normalement elle sera juste devant. Donc je vous montre sur la map, donc c'est juste ici. Donc voilà, là, juste là où il y a mon point. Donc là, vous avez le cinéma et sur la route, du coup, vous aurez la cassette. Donc voilà, maintenant je vous passe du coup la vidéo où on voit la cassette posée du coup sur le sol, donc sur la route. Donc voilà, du coup on se retrouve pour la sixième et dernière cassette. Donc elle est juste ici, donc au restaurant Tacos. Donc à Grésigrou, je vous mets le point dans quelques minutes, donc juste là. Donc normalement vous rentrez, donc le petit point de repère c'est la petite voiture rose, le van. Vous prenez la porte qui est ici, vous avancez, vous allez à gauche, donc juste ici. Et normalement la cassette sera posée bah, juste sur cette table là. Donc je vous montre sur la carte, donc c'est juste ici. Donc voilà, vous entrez donc par là. Et la table est normalement, bah, comme je vous ai montré, juste à côté. Donc vous rentrez, vous allez tout de suite à gauche. Voilà, le petit point de repère, c'est comme je vous ai dit, la petite voiture rose. Pour Gotham, je vous ai pas vraiment montré de point de repère parce que du coup, le cinéma est assez grand. Pour le plan, je pense que vous la connaissez, donc je vous ai juste mis le point sur la carte. Donc avec le point, vous pourrez vous repérer. Donc voilà, du coup, si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.